Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver dans ce numéro de Canal Enquête. Cela fait quelques mois qu'un jeune Béninois a pris l'initiative de créer des opportunités d'affaires aux entrepreneurs béninois en Turquie, s'inspirant justement du contexte de diplomatie économique qui est le nôtre aujourd'hui et le modèle économique turc. Il a déjà organisé deux éditions de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie. Si la première édition a permis de créer des liens et des cadres d'échange sur des opportunités économiques entre chefs d'entreprise du Bénin et de la Turquie, la deuxième édition de cette semaine a permis de passer à une vitesse supérieure avec à la clé des retombées tangibles pour les entreprises béninoises. Et c'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure dans ce numéro de Canal Enquête. Quelles sont véritablement ces retombées et quels sont les secteurs concernés? C'est tout de suite dans Canal Enquête, un numéro qui vous est proposé par l'établissement para-université Hassan Information et PAF. Le Bénin et la Turquie sont devenus plus proches grâce à la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie. Si la première édition a permis de créer des liens et des opportunités économiques impressionnantes entre chefs d'entreprise du Bénin et de la Turquie, la deuxième édition de la SOE a permis de passer à une vitesse supérieure avec à la clé des retombées tangibles pour les entreprises béninoises. Nous allons partager avec vous, dans ce numéro de Canal Enquête, les secteurs d'activité dans lesquels des partenariats ont été concrétisés avec des entreprises en Turquie. Canal Enquête, la SOE 1 plus SOE 2, les retombées. Deux éditions auront suffi pour faire de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie une plateforme incontournable des échanges d'opportunités économiques entre le Bénin et la Turquie. Après la première édition courant le mois de juillet, la deuxième édition s'est déroulée du 7 au 14 octobre 2023. Avec cette deuxième édition, l'ambition devient plus grande. Décrocher dans les domaines de la formation universitaire, de la formation technique et professionnelle, de la santé, des bâtiments travaux publics, du football, de l'industrie et du commerce, des accords de partenariat avec des entreprises béninoises. Si la première édition a permis de créer des liens et des opportunités économiques impressionnantes entre chefs d'entreprise du Bénin et de la Turquie, la deuxième édition de la SOE a permis de passer à une vitesse supérieure avec à la clé des retombées tangibles. Dans le secteur de la formation universitaire, l'une des plus grandes retombées est l'accord de partenariat permettant d'augmenter le nombre d'étudiants béninois dans les universités turques. Nous avions remarqué qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de Béninois et je vais dire Africains, qui veulent étudier à l'extérieur. Et nous avions dit qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les compatriotes puissent avoir quelque chose de plus concret, quelque chose qui va leur permettre d'avoir un de plus que ce qu'ils peuvent avoir ailleurs. Et nous avons remarqué que la Turquie, aujourd'hui, sur le plan des formations universitaires comme professionnelles, a de l'expérience. Beaucoup d'universités turques aujourd'hui forment des grands ingénieurs, des grandes personnes. Donc nous avions dit que c'est mieux que nous fassions un programme avec les universités turques afin de permettre à ces apprenants qui veulent étudier en Turquie de partir plus simplement. Donc à cette nouvelle édition, à cette deuxième édition, nous avions travaillé, nous avions approfondi les contacts que nous avions eus. Donc nous avions eu à faire beaucoup plus d'échanges. Il y a des partenariats qui sont signés dans le cadre des formations universitaires. Nous avons eu déjà un groupe de 15 universités qui est prêt à accueillir déjà les étudiants béninois. Nous avons travaillé également sur des bourses. Nous avons eu des bourses, d'abord décroché des bourses pour ces étudiants-là qui vont partir. À 50 km d'Istanbul se trouve l'université technique de Gebze, l'une des plus grandes universités en Turquie,
qui est prête à recevoir des étudiants béninois. C'est l'une des meilleures universités techniques ici en Turquie, en matière quand même de formation technique. Ils ont plusieurs domaines techniques. Cela s'ajoute d'autres universités comme Medipol Université, Atlas Université et l'Université de Maltepe. Nous avions déjà échangé avec les universités pour notre dernière visite. Je crois qu'il y a des universités qui nous ont donné 200 places, il y a des universités qui nous ont donné 50 places, des universités qui nous ont donné 300 places. Si on fait le cumul de tout ça dans une année, je crois que nous pouvons atteindre au moins 1000 places. Pour que la langue turque ne soit une barrière pour la formation des étudiants béninois en Turquie, il est obtenu dans les accords de partenariat que les formations se déroulent en anglais. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ici au Bénin, il est mis en place un dispositif d'apprentissage et de remise à niveau en anglais avec le cabinet TBC, l'un des plus grands centres de formation en anglais au Bénin. À partir d'ici, les étudiants qui ont envie de partir vont passer par TBC. TBC aujourd'hui est en partenariat avec EPAF et de M. Aïné Waliou, et nous avons travaillé sur le projet ensemble. Donc, les étudiants qui vont partir vont se faire inscrire à TBC. Nous allons leur faire des tests de niveau en anglais. Et je voudrais préciser à ce niveau que nous avons pu discuter avec des universités pour que les formations se fassent en anglais. Puisque les Béninois n'auront pas la possibilité d'apprendre le turc en si peu de temps. Donc, ces formations vont se faire en anglais. Ces formations universitaires vont se faire en anglais et avec les standards des universités européennes et américaines. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand ils sont prêts pour un programme pareil, ils vont s'inscrire à TBC. Nous allons évaluer leur niveau de langue, les préparer en anglais pour le temps, parce que s'ils sont préparés en anglais ici, ils feront moins de temps là-bas en anglais pour la préparation en anglais avant de commencer leur cours. Cela va revenir moins cher aux parents. Ils vont à partir de ce moment-là s'inscrire auprès de TBC. Nous allons choisir les universités selon les filières qu'ils veulent faire. Nous avons mis en place un dispositif de renseignement. Ils seront totalement renseignés sur les filières et les possibilités de choisir ces filières-là. Donc à partir de là, ils pourront s'inscrire et partir pour commencer leurs études. Les étudiants vont passer par ce centre pour obtenir leur quitus en langue anglaise. Et le système de formation de TBC est tellement pointu, et c'est sans aucun problème. Ils pourront rapidement avoir le niveau requis pour pouvoir suivre ces formations-là sans aucune inquiétude. L'autre chose aussi qui est importante est que lorsque nous formons à TBC, nous permettons aux étudiants de se faire évaluer sur le standard international de langue. Donc les étudiants vont partir du niveau A jusqu'au niveau C. Le niveau qu'ils ont permettra à l'université de les choisir, de les classer selon ce qu'ils veulent étudier là-bas et selon leur niveau de langue. Donc nous garantissons une formation de qualité aux étudiants qui vont s'inscrire. Aussi,
pour les amener à être plus international, on pourra les aider aussi à préparer leur TOEFL. Le TOEFL aujourd'hui est reconnu comme le test le plus simple d'évaluation de niveau en langue. Donc, ils pourront également préparer le TOEFL ici à TBC. Et une fois là-bas en Turquie, ils sont à l'aise dans la langue et vont continuer les études normalement. Ici, tout est prêt pour accueillir les étudiants qui vont saisir l'opportunité d'aller étudier en Turquie. Les salles de formation sont aérées avec des équipements à la pointe de la technologie. Dans notre salle de cours, nous avions cette salle de cours qui est entièrement climatisée et ventilée, qui permet aux étudiants de s'asseoir dans une condition confortable afin de faire leur cours. Nous avions le loudspeaker qui permet aux étudiants de faire le listening. Nous ne pouvons pas aujourd'hui faire un cours de langue sans les multimédia. Donc nous utilisons nos loudspeakers pour faire le cours. Nous avons un écran géant qui permet aux étudiants de voir de manière claire tout ce que l'enseignant est en train de dire, de faire les vidéos, de faire les différents programmes. Et l'étudiant se sent vraiment confortable lorsqu'il est en train de faire le cours dans une salle pareille. Nous avons ici le laboratoire de langue. Le laboratoire de TBC est la plateforme réelle d'évaluation des étudiants. Donc quiconque vient s'inscrire pour ce programme de la Turquie doit se faire évaluer sur cette plateforme-là et pour que son niveau soit vraiment défini. Ce n'est pas une évaluation sur papier pour qu'on dise qu'il y a peut-être des affaires, mais il va évaluer parce que nous avons mis des logiciels, des systèmes qui permettent une évaluation parfaite. And also, we have students that are coming in for assessment for Turkey. They want to travel to Turkey. Then we assess them using our equipment that we have here, and then it will show their real score in English, both in the speaking, listening, writing, and reading. And the test is accredited. So once they do this test, they can use it to travel to Turkey. D'accord. Dans cette salle, nous recevons les parents et les étudiants pour les conseils. Parce que l'étudiant qui vient, qui veut prendre tous les renseignements, est reçu ici pour les orientations académiques. C'est dans cette salle que nous aidons les parents à nous proposons les différentes filières aux parents. Et avec ça, ils arrivent à faire de bons choix avec leurs apprenants. Nous avons nos webcams, nous avons notre système multimédia qui permet, au même moment que nous sommes ici, d'interagir avec les universités turques, les chariots académiques de la Turquie. Et ça leur permet d'échanger avec les parents pour leur dire, voilà, nous avons de telles possibilités pour eux. Et compte tenu du niveau de l'enfant, il pourra étudier telle chose ou telle chose. Le cabinet TBC facilite donc les inscriptions des étudiants béninois en Turquie. Les retombées de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie ont touché aussi la formation technique et professionnelle, précisément sur les métiers de la bouche, boulanger, pâtissier, cuisinier, etc. Aller pour visiter le laboratoire de la cuisine. Vous allez voir comment est-ce que c'est constitué. C'est assez impressionnant. Venez avec moi. Donc, on est là. Vous avez là, ça commence la cuisine, très bien. Voilà, vous avez là la cuisine, les choses de cuisine. Oh, ok, donc les élèves sont classés chacun par box de fonctionnement. Ok, voilà. Il y a les fours, vous voyez les fours, ils sont vraiment modernes. Ils sont vraiment de qualité moderne. Donc, c'est pas de l'à peu près. C'est des choses très avancées. Vous avez les poêles de très très bonne qualité, y compris les casseroles quand même assez modernes. Les métiers de l'esthétique, de la beauté et de la coiffure. À ce niveau, des échanges ont abouti à un partenariat entre l'établissement para-universitaire Asana Formation et PAF et le centre de beauté Symétrie. Un partenariat renforcé par un certificat de partenariat entre les deux structures. Ici, nous sommes à Symétrie, à Gebze, en Turquie. C'est l'un des meilleurs centres de traitement en matière de cosmétique et d'esthétique et de beauté. Alors,
qu'est-ce que nous allons essayer de mettre en place? C'est un partenariat qui va permettre aux professionnels de la beauté et de l'esthétique au Bénin, en Afrique en général, de pouvoir venir ici se faire former, de pouvoir venir ici pour faire des stages. Alors, nous allons essayer de mettre en place à Cotonou au Bénin un laboratoire test qui permet de prendre des gens pour quelques jours avant de les envoyer ici. J'ai fait moi-même tout le tour parce qu'on dit avant de parler aujourd'hui, il faut toucher du doigt. Moi, je suis Saint-Thomas. J'ai fait tout le tour. Il y a tous les services avec du matériel de haut niveau, de la technologie de haut niveau. Voyez avec moi, il y a ici les épilations qui se font de manière très moderne. Il y a le traitement en fait de peau. Quand vous arrivez, on vous prend. Il y a une consultation de manière électronique en fait. C'est extraordinaire. Il y a une consultation qui est faite avec du matériel de haut niveau, du matériel de haute technologie. Donc, c'est après la consultation que vous avez. Le type de peau que vous avez, les produits correspondants et un ensemble de choses. Au Bénin, les acteurs du secteur de l'esthétique, de la beauté et de la coiffure sont mobilisés pour profiter de cette opportunité afin de renforcer leurs capacités dans le domaine. Ange Béanzin est promotrice d'un établissement d'esthétique. Elle est dans le secteur depuis quelques années. Je le félicite pour cette initiative, ce n'est pas donné à tout le monde. Et franchement, je suis sidérée par ce geste. Parce que nous avons toujours tendance à vouloir un peu plus, c'est-à-dire essayer de nous perfectionner. Mais à des moments donnés, nous n'arrivons pas à avoir des centres adéquats pour nous perfectionner. Mais il est allé un peu fort et je l'ai suivi durant tout ce processus. Et arrivé en Turquie, il a eu à échanger avec des partenaires. Et par la grâce de Dieu, de toute façon, moi aussi, j'ai eu à échanger avec eux. Et ils m'ont demandé les besoins du monde de l'esthétique en matière d'équipement, en matière de prestations, en matière de formation. Et j'ai eu à énumérer certains besoins et tout. Et par la grâce de Dieu, ça a donné. Et déjà, moi, je suis partante pour cette formation qui va rehausser le monde de l'esthétique et qui va donner un plus au savoir-faire en matière de l'esthétique. Aujourd'hui, avec l'ambition qu'elle porte pour son métier, aller renforcer son niveau en Turquie, dans son domaine de compétences, est une grande opportunité. C'est le centre de beauté Symétrie. Pourquoi ce centre de façon spécifique? Parce qu'ils ont voulu discuter spécialement avec moi pour savoir ce dont j'ai besoin. Et j'ai énuméré la lipocavitation, le blanchiment dentaire, la madérothérapie, le rajeunissement de peau, le maquillage permanent, tout ce qui a trait à la nouvelle tendance en matière d'esthétique, en fait. Voilà. Et ils ont accepté. Pour mobiliser davantage les acteurs du domaine, le Centre international de formation en esthétique et coiffure, CIFEC, s'engage aux côtés de l'EPAF pour faire profiter cette opportunité au grand nombre. Le Béninois Waliou Aïna, fondateur de l'établissement para-universitaire Asana Formation EPAF et initiateur de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie, a décroché aussi au profit des formations sanitaires du Bénin un partenariat solide avec la société médicale Simpro Health de la Turquie. Thank you.
Les axes de la collaboration mise en place relèvent de la consultation et de l'intervention médicale sur place au Bénin et l'évacuation des cas complexes. On note aussi les mobilités d'étudiants en médecine et professionnels de la santé entre la Turquie et le Bénin. À tout cela s'ajoute la réalisation en commun des projets innovants dans le domaine de la santé. Le premier volet de ce partenariat est déjà dans sa phase de mise en œuvre. Une mission médicale turque va séjourner au Bénin du 25 au 29 novembre pour apporter des soins de qualité gratuits à ceux qui en ont le plus besoin. La clinique qui va accueillir cette mission médicale turque est la clinique Les Merveilles à Cotonou. Nous avons rencontré le premier responsable de cette clinique. Que l'arrivée d'une mission turque dans la clinique médicale Les Merveilles est une opportunité que nous devons saisir. Et ça va être une fierté, ça va être une joie, ça va être un de plus pour tous les Béninois d'abord, et en particulier les victimes ou bien les patients de la clinique médicale Les Merveilles. Les médecins qui sont attendus dans le cadre de cette mission ont des profils variés. Au nombre de 4, il y a un chirurgien cardiovasculaire, un chirurgien orthopédiste, une psychiatre neurologue et un chirurgien esthétique. À la clinique Les Merveilles, tout est mis en œuvre pour permettre aux médecins turcs de travailler dans de bonnes conditions. Ici, c'est un bloc opératoire pour les chirurgiens. Pour tous les cas de chirurgie en général, nous avons un appareil qu'on appelle amplificateur de brillance. Sans cet appareil, beaucoup de chirurgie n'est pas capable. Cet appareil, c'est la lampe cyanotique. Nous avons la table d'anesthésie, bouteille d'oxygène, la table d'opération et l'appareil multiple paramétrique, concentrateur d'oxygène. Donc ici, c'est un bloc opératoire où nous faisons pratiquement toute la chirurgie en général. Chirurgie pédiatrique, chirurgie viscérale, chirurgie traumato, chirurgie et les petites chirurgies aussi, gynécologie. Voilà. Ça va toi? Elle a été opérée avant-hier et je pense qu'elle se porte très bien. Ça, c'est la chirurgie réparatrice parce que c'est les chirurgiens pédiatres, les chirurgiens pédiatres qui l'ont opérée pour une réparation de la forme de son pied, voilà. Bon, ici c'est la salle de traitement d'eau pour l'unité de dialyse. Et c'est une salle spécialement réservée pour la qualité d'eau qu'il faut utiliser, parce qu'il y a l'osmoseur qui est dedans avec tout un dispositif. Donc les médecins n'acceptent pas que tout le monde ait assez. Mes chers amis, voici la deuxième salle de branchement, d'hémodialyse, c'est la deuxième salle d'hémodialyse. La salle qui est là-bas, c'est une salle d'hémodialyse également, mais il y a des patients qui sont branchés. Il y a 7 stations là-bas, et les 7 stations sont occupées. Ici, il y a 4 stations, voilà. Les patients sont attendus le dimanche 26 novembre 2023, la plus belle nouvelle de l'année. De 9h à 13h, à la clinique Les Merveilles de Cotonou. L'autre secteur impacté par les retombées de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie est le secteur des BTP. L'expertise turque est négociée pour permettre aux entrepreneurs du domaine au Bénin de s'inspirer du modèle turc. Pour Yves Zounan, ingénieur des BTP, le besoin se fait sentir. En effet, le besoin vraiment de qualité se pose parce que nous avons malheureusement des ouvriers qui n'ont pas encore un niveau une finition élevée. Et c'est vraiment opportun de faire venir ces experts-là au Bénin pour améliorer, pour perfectionner nos ouvriers. Ce partenariat dans le secteur des BTP va consister à un partage d'expériences dans tous les corps de métier des BTP. Ouvriers.
Et quand je parle d'ouvriers, c'est les ouvriers dans tous les corps d'État. Je veux parler de carrelage, je veux parler de l'électricité, de la plomberie, tout, pratiquement tous les corps de métier. Et là-bas en Turquie, nous avons découvert une autre façon de travailler. Nous avons découvert des bâtiments où la finition des travaux est supérieure à ce que nous avons l'habitude ici au Bénin. La deuxième édition de la semaine des opportunités aux entreprises nous a permis de véritablement prendre contact avec des sachants, ceux qui savent faire, ceux qui sont bien dans la finition, les différents corps d'État, de prendre contact avec ceux-là, de développer des partenariats pour trouver des voies et moyens pour faire envoyer les divers ouvriers d'ici en Turquie pour des formations, pour des professionnalisations et aussi d'organiser des experts, de faire venir des experts au Bénin pour des partages d'expériences à nos ouvriers ici au Bénin. Toujours dans le but d'améliorer la qualité de nos travaux. Et ce n'est pas tout. Au nombre des retombées de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Turquie, le club Galatasaray, un grand club de football en Turquie, ouvre les portes de son académie aux talents béninois. Le centre de formation du club Galatasaray, ici à Istanbul, en Turquie. Nous venons de négocier un accord très important. Vous allez voir les résultats les tout prochains jours. Désormais, il y aura des joueurs béninois qui vont venir jouer ici à Galatasaray. Cette annonce dans le monde sportif béninois est très bien accueilli. Voilà, et c'est des initiatives comme ça qui permettent de vendre l'image du pays. Ça, c'est la diplomatie. Et à travers cette diplomatie, le sport va profiter pour atteindre l'objectif et ce dont nous parlons, l'idéal. Et donc, Galatasaray de la Turquie, tout le monde connaît, c'est un grand club. Et si, à travers un programme turc, on arrive aujourd'hui à décrocher un axe pour le football, c'est chapeau. C'est tout ça que nous mettons dans la politique. Individuellement, chaque acteur doit développer ces genres d'action, aller vers des opportunités pour permettre aux joueurs, aux talents de s'exporter. Et ce n'est que par là que le nom du pays est connu. Il n'y a pas de magie. Les talents ne manquent pas au Bénin, mais c'est la vision individuelle de nous, les acteurs, que ça pose problème. Et donc, on n'a pas assez d'opportunités pour permettre aux jeunes d'aller se faire monnayer leurs talents. Donc, cette initiative, elle est très, très belle. Ça va permettre que les jeunes qui iront, et moi, je sais qu'ils ont les talents. Moi, je sais que quand nos enfants voyagent et ils jouent, ils impressionnent. Et ça va être déjà ça pour accompagner tout ce que fait le gouvernement. Oui. D'autres chantiers de partenariat sont en perspective, notamment dans le domaine du commerce et de l'industrie. Il s'est tenu une conférence entre les participants de la deuxième édition de la semaine et l'organisation des chefs d'entreprise la plus importante de la Turquie, Musiad. Au nombre des activités phares menées dans le cadre de cette semaine, se trouve aussi la présentation du Bénin à la Chambre de commerce et d'industrie de Jebze. Dans un contexte de diplomatie économique que développe le Bénin présentement, l'initiative de Waliou Aïna sur la Turquie a tout le mérite d'être un modèle de rapprochement économique entre le Bénin et la Turquie.
Mesdames et Messieurs, retour sur le plateau de Canal Enquête pour la deuxième partie de cette émission. Je suis avec mes invités, je vous les présente. Madame Olama Ojukwu, vous êtes gérante de Gotha Voyage International. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi. Et puis en face de vous, justement, l'homme derrière cette initiative, Monsieur Waliou Aina. Vous êtes organisateur de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs, mais aussi fondateur de l'EPAF. Merci vraiment d'être avec nous ce soir. Merci Eric. Allez. Bonsoir chers téléspectateurs. Tout de suite, Monsieur Waliou Aina, l'idée de cette initiative qui a connu déjà sa deuxième édition est venue comment? Est venue d'où? Alors, déjà, merci pour la question. L'idée, c'est tout ce que vous avez vu comme retombée. C'est de créer d'opportunités pour le bien et mon pays que j'aime tant. Moi, je pense, pour ma petite personne, que chacun peut donner ce qu'il a. Si nous mettons sur la table à travers nos réseaux, à travers ce que chacun peut faire, ce qu'il peut apporter au pays, on va avancer tous ensemble. Donc, l'idée, vraiment, c'est de mon expérience, en fait, à travailler avec des jeunes entrepreneurs, leur difficulté à s'ouvrir sur l'international, la difficulté à avoir de connexion, la difficulté à faire des voyages, il faut régler ce problème. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on a besoin de créer un pont, de faciliter l'accès, en fait, aux jeunes à l'international. Et nous avons commencé par la Turquie. Vous avez vu la réalité. Il y a une différence entre la théorie et la pratique. Là, vous êtes dans la pratique. Donc, je vais m'arrêter là pour mon introduction. Allez, à vous, Madame Olama Ojukwu, vous qui êtes experte dans le domaine de voyage à l'international, quelle est votre appréciation d'une telle initiative? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous assure, à voir tout ce qu'on a regardé tout à l'heure, on sent que c'est de ça qu'il s'agit. Un monsieur qui a passé tout ce temps à apprendre aux jeunes, aux entrepreneurs béninois, comment à vivre dans certains domaines. Il s'était mis à les amener, à les toucher de droit, à voir comment ça se passe. Ailleurs. Ailleurs. Et pourquoi? Pour pouvoir, au bout du rouleau, les ramener au Bénin, pour qu'ils puissent maintenant commencer à transformer ce que nous avons ici. Et qu'est-ce que nous allons avoir comme résultat au bout finish? C'est d'avoir à faire la compétition avec l'international. C'est ça. Parfait. Alors, M. Waliou, il sera question de l'avenir. Tout à fait. De cette initiative, des perspectives. Alors, pour vous, l'avenir de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs, pour vous, c'est quoi? D'accord. C'est bien, on a tout vu ce qui s'est passé en Turquie. Alors, pour vous, l'avenir. D'accord. Déjà, vous avez vu, c'est à qui on a mis en place au Bénin des ambassadeurs de la SOE Turquie. Mm-hmm. Et un bureau est mis en place, en fait. Vous avez vu sur le plateau Gotha Voyage, qui est un partenaire qui va nous accompagner, en fait, dans la suite du processus. Mm-hmm. On a mis en place un bureau pour gérer les acquis, en fait, de la SOE Turquie. Les acquis, vous les avez vus, en fait, à travers votre reportage. C'est important. Vous allez voir tout ce qui se fait, ça se pense. Ça se prépare et puis ça se traduit dans la discipline, une méthode, une organisation. Donc, un bureau de gestion des acquis de la SOE Turquie est mis en place et puis c'est ouvert désormais, tous les actes seront étudiés au cas par cas. Après ça, la SOE, elle va atterrir en fait dans un autre pays l'année prochaine, en 2024. Elle va atterrir en Chine. Permettez-moi de vous dire le nom. Pourquoi la Chine? Pourquoi alors, la Chine? Déjà, la Chine, parce que le chef de l'État, le président de la République, nous a créé l'opportunité de la Chine. Il a fait un voyage inédit, en fait, en Chine, qui a révélé, en fait, le génie béninois, qui a fait que les Chinois ont eu, nous voient maintenant autrement. Eh bien, l'opportunité, là, c'est ce que je disais à mes étudiants la semaine passée, quand j'étais au cours, je leur ai dit, l'opportunité, c'est ce que le président de la République a fait. Ce n'est pas de venir vous distribuer de l'argent. Il a balisé le terrain. Il a balisé le terrain, il a créé les conditions, il a rassuré. Ça, c'est très important. Les partenaires chinois. Il a rassuré les partenaires chinois. Il a créé des conditions même de facilitation, d'obtention, en fait, de visa pour venir au Bénin pour les Chinois. C'est des actions fortes. Et il ne faut pas attendre. Il faut tout de suite s'engager et pouvoir ramener toutes les opportunités qu'il y a en fait en Chine, au Bénin. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à pourquoi vraiment la Chine en 2024. Alors, Madame Gotha, vous qui êtes justement dans le domaine des voyages, voilà l'ambition pour cette initiative, la Chine. Est-ce qu'elle n'est pas trop grande, cette ambition? Elle n'est pas trop grande. Vous voyez, il y a ce secret que j'aimerais dévoiler de la Chine. La Chine, il y a des années, était également dans notre condition d'aujourd'hui. C'est ça. Okay. Qu'est-ce qu'ils avaient essayé de faire? C'était un pays complètement à terre. Hein. C'était de s'ouvrir à l'international. Ils étaient allés décrocher les grands des connaisseurs pour venir maintenant hausser le haut niveau. Aujourd'hui, elles ont pris leur vie en main. On voit ce qu'elles sont dans le monde entier.
ouvrir le Bénin vers la Chine aujourd'hui, c'est d'aller également décrocher les sachants et venir commencer par cette frotte-là entre nos entrepreneurs et ceux de là-bas, va tout de suite là nous changer la mentalité, commence pas à nous positionner dans ce que nous sommes en train de chercher. Et je vous assure, le travail dont fait les PAF à travers ce voyage-là, parce qu'il y a une adage que je n'aime pas m'amuser avec, on dit celui qui voyage est plus âgé que le vieux. Quand vous voyagez, vous connaissez mieux que même. Exactement. C'est donc, à travers ce qu'il est en train de faire, à travers ce voyage qui va être réalisé en Chine l'année prochaine, nous allons désormais commencer par voir sur notre territoire, sur le Bénin, comment à faire des travaux de manière mécanisée. Ça ne serait plus faire de l'agriculture notre ancienne manière, parce qu'on va décrocher l'expérience de comment à utiliser ces outils-là à travers cette relation qui va exister entre les PAF et les partenaires chinois que nous allons rencontrer l'année prochaine. Et qu'est-ce qui peut nous intéresser en Chine, monsieur Wenner? Comment comptez-vous relever ce défi? Bon, pour la Turquie, c'est déjà gagné. C'est gagné. Maintenant, pour la Chine, comment vous comptez relever ce défi? Alors, parlant de la Chine, je vous ai rappelé que je suis économiste financier avant d'être promoteur d'entreprise. D'accord. On va rappeler quelques chiffres. C'est le contexte, en fait, de la Chine aujourd'hui. Le premier secteur qui nous intéresse en Chine, c'est le commerce. Pourquoi? Le commerce représente 40% du produit intérieur brut chinois. Ça veut dire quoi? Vous avez un pays qui dégage énormément d'excédents commerciaux. La Chine est devenue premier exportateur mondial, en fait deuxième importateur au niveau du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. Deuxième pays le plus peuplé au monde et troisième plus grand en termes de superficie. Nous partons en Chine pour gagner aussi, conquérir aussi un nouveau marché. On ne va pas juste acheter. Quand je parle de commerce, sur 1,4 milliard en fait, d'habitants avec un pouvoir d'achat qui s'accroît, on ne peut pas dire que les Africains ne peuvent pas vendre sur le marché chinois, c'est possible. C'est les initiatives, les conditions qu'il faut créer pour ouvrir la voie. Il faudrait le lobbying, en fait, et le président de la République a commencé. Nous devons suivre. Maintenant, créer les conditions, permettre en fait, au commerce en fait, africain, au commerce béninois, mon pays, je commence toujours par ici, aux gens de vendre en fait en Chine. On peut bien vendre en Chine, comme on en achète aussi. Donc, c'est un marché on peut acheter en Chine, on peut aussi vendre. Donc, les jeunes béninois sont aussi à la quête de nouveaux marchés, sont à la quête d'opportunités. Donc, le premier domaine qui nous intéresse, la Chine, dans les deux sens, on va acheter bien évidemment en Chine, on vendra aussi en Chine. Le deuxième, en fait, secteur qui nous intéresse, c'est l'industrie. L'industrie, ce n'est pas venir faire des industries qui emploient 2000, 3000, 4000 personnes, mais c'est les mini-industries, les petites machines. Vous savez, un de nos problèmes, en fait, c'est l'emballage, la présentation. Je n'ai cessé de le rappeler, en fait. Nous, on a formé au niveau de l'IPAF des jeunes talentueux, en fait, dans le domaine de la boulangerie, dans le domaine de la pâtisserie, dans la fabrication du yaourt, un ensemble de choses. Mais ce qui reste, c'est l'emballage, la présentation. Comment envelopper, que ça soit bien vu. Que ça soit bien vu. Vous savez, c'est des gens, en fait, si leurs produits n'ont rien à envier avec les qualités qu'on importe, si nous arrivons à créer les conditions, en fait, d'emballage, de présentation, eh bien, la Chine nous offre une opportunité en la matière aujourd'hui. On va visiter les usines, les entreprises chinoises qui proposent de toutes petites machines à moindre coût, qui permettent de faire des emballages en fait, de très bonne qualité. Et on ne va pas s'arrêter là. On va donner l'opportunité à ces jeunes entrepreneurs de se faire former sur comment la machine en fait, fonctionne, sur un ensemble de choses. Le troisième secteur qui nous intéresse en Chine, bien évidemment, c'est la technologie. Vous savez, la Chine fait une progression énorme. En fait, en matière de technologie, accessoires en fait, d'outils informatiques, accessoires de téléphones, la réparation des téléphones portables, la réparation d'ordinateurs, le développement en fait, de solutions technologiques, ça nous intéresse énormément. C'est le troisième secteur qui nous intéresse. Le quatrième secteur qui nous intéresse en fait en Turquie, c'est en Chine. Excusez-moi, la Turquie revient parce qu'on a passé tout le temps à parler de ça. Alors, voilà. Le quatrième secteur qui nous intéresse, c'est le domaine de l'énergie. Les énergies renouvelables. Quand on parle d'énergie renouvelable, tout le monde en parle, mais peu de personnes peuvent faire en fait, la différence. Dans les énergies renouvelables, il y a plusieurs types d'énergie. Mais ce qui nous intéresse en fait en Chine, c'est les énergies solaires. Nous allons travailler avec les concepteurs chinois pour proposer en fait, des kits adaptés à l'Afrique.
Ça, c'est très important. Adapter à l'Afrique en termes, en fait, de durabilité, en termes de... L'Afrique n'est plus une poubelle. Où, le pouvoir fabrique de n'importe quoi. Non, non, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Mmh. C'est pourquoi nous partons avec les entreprises, nous expliquons, nous donnons des détails pour que notre vis-à-vis sache que les choses ont changé. Le mindset a évolué et il faut suivre, en fait. En dernière position, vous avez toujours le secteur du BTP, la conduite en fait, des engins. Mmh. Comment est-ce qu'il faut faire? Voilà, avant-dernière, si vous permettez, le BTP toujours. On a toujours quelque chose à acheter en Chine en matière de BTP, comme on a acheté en fait en Turquie. Mmh. En dernière position, vous avez l'agriculture. Elle a dit dans son introduction... Il faut mécaniser notre agriculture. Il y a un potentiel énorme. Et quand on dit aux jeunes, allez dans l'agriculture, il faut leur dire en fait qu'on peut faire l'agriculture autrement. Et nous allons ramener cette information de la Chine. On va visiter des fermes en Chine, on va voir les entreprises qui proposent en fait des machines qui permettent de mécaniser complètement le processus à moins de coûts et faire en sorte que ça soit accessible avec bien évidemment la volonté en fait du gouvernement actuel que je ne veux pas en fait finir mes propos sans remercier parce que tout le long de notre initiative, on a bénéficié de l'accompagnement du gouvernement du début jusqu'à la fin, à travers, bien évidemment, le ministère des Affaires étrangères, où les cadres sont vraiment dévoués au service de la République. Alors, voilà ce que je peux vous dire en introduction. Comment vous comptez dérouler cet agenda? Comment vous comptez dérouler ça? Alors, cet agenda sera déroulé, bien évidemment, avec notre partenaire, Gotha Voyage. Hier même, on a travaillé toute la journée d'hier, en fait, pour planifier, peaufiner la stratégie. Janvier, on lance la communication pour le recrutement des participants à la semaine d'opportunités aux entrepreneurs en Chine. La communication va durer 5 mois, en fait, janvier, février, mars, avril, début mai, on arrête. On clôture les inscriptions début mai. Gotha Voyage, en fait, notre partenaire technique, va vraiment travailler avec les partenaires chinois pour la préparation de cette activité du début jusqu'à la fin. Pour ne pas trahir les secrets, les contacts sont pris. Hier, on était ensemble, elle a commencé par prendre des contacts. Tout ça sera coiffé par l'ambassade en fait, du Bénin en Chine, qui va être notre mentor, qui va nous porter. On va travailler ensemble. Elle est vraiment impliquée dans ce projet, vu son expérience, son expertise, sa connexion. Je pense que nous aurons une nouvelle fois une belle expérience en Chine. Mais cette fois-ci, on fera 2 semaines au lieu d'une semaine, parce que la Chine, elle est loin. La Chine, elle est loin. Le décalage horaire, les gens ont besoin de passer pour arriver. Ils ont besoin d'une journée, en fait, pour que le cerveau puisse s'adapter. Après, donc, ça fait la semaine d'opportunité aux entreprises devient 2 semaines d'opportunité aux entrepreneurs. En Chine. Mais c'est une semaine d'activité, réellement. C'est une semaine pour ne pas essouffler, en fait, les gens. C'est une semaine d'activité. Il y a aussi des instants de tourisme. Il va y avoir aussi des instants, en fait, de personnel pour des achats, le shopping et un ensemble de choses. Et le repos aussi. Alors, Madame Oulamaou, du coup, vous qui êtes partenaire de cette initiative, en termes de disposition déjà, pour ce qui est de la Chine. OK. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tout ce qui est déjà en train d'être fait, comme il a dit, on a travaillé beaucoup hier. Mm-hmm. Mais même avant hier, on a eu à faire parce que au sein de Gotha, nous avons reçu ici au Bénin les Chinois plusieurs fois. C'est ça. Et également, donc c'est un milieu que vous maîtrisez. Exactement. Hein. Et quand on les fait venir, on les fait vivre, bien sûr, les 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Et également, notre partenaire de la Chine, bien sûr, travaille avec la diplomatie de l'autre côté. C'est ça. Ce qui nous a déjà donné la possibilité de déjà toucher tous ces secteurs. Mm-hmm. Et qu'est-ce que nous allons avoir? Bien sûr, nous avons bien sûr la diplomatie, comme il a dit, derrière nous, mm-hmm. pour assurer ce partenariat qui va exister entre les PAF et ceux de l'autre côté. Donc tout ça est en train d'être mis en place. Mm-hmm. Et déjà tout à l'heure, je serai avec eux dans la foire de tourisme mondial à Londres pour maintenant finaliser certaines choses qui restent. Donc, on est déjà prête pour 2024. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces connexions que nous créons, la Turquie, la Chine, est-ce que le Bénin, dans la dynamique qu'est la nôtre aujourd'hui, est-ce qu'on profite vraiment de ça? Je vous assure, bien sûr, avant maintenant, non. Aujourd'hui, l'espace est consacré, c'est qu'on veut révéler le Bénin. Est-ce qu'on profite vraiment de ça? On va commencer désormais profiter de ça. Parce que là, comme il a dit tout à l'heure, notre président s'était déplacé pour aller faire autant d'échanges avec l'autre côté. La Chine. Oui, voilà. Ce que ça va déjà commencer par faire, c'est que ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes en train de déjà
aller vers. Et nous allons commencer par jouir de tout cela. Mmh. Et d'ici à là, on va commencer par profiter de ça. Avant maintenant, bien sûr, on ne l'avait pas vu de manière extraordinaire, mais à partir de cet instant, espérez. Parfait. D'accord. Alors, monsieur Wally, je voulais ajouter quelque chose rapidement à ce qu'elle a dit. Vous savez, moi, mon cœur est pour la formation. Ce à quoi je crois, c'est la formation. J'ai fait exprès de ne pas citer le domaine de la formation technique professionnelle pendant que je citais. Oui. Parce qu'on en a besoin, par exemple. Ça. Nous avons des jeunes qui finissent, après se retrouvent au chômage. Pour défaut de formation technique et pratique. Ma ferme conviction, c'est que par la formation technique professionnelle, on peut changer le Bénin. C'est assez clair dans mon esprit. Donc, tous les domaines que je vous ai cités là, l'EPAF est agréé en fait pour donner de la formation, pour assurer de la formation. Nous allons développer avec la Chine dans tous les domaines que j'ai cités, même dans d'autres domaines qu'on est en train de travailler, la formation technique professionnelle. Les centres de formation technique professionnelle peuvent s'intéresser à ce projet pour voir le modèle chinois. L'État, on travaille déjà avec les structures de l'État pour voir comment ramener d'autres formations techniques et professionnelles vers le Bénin. Donc, mon cœur est pour la formation. Je pense que c'est pas le chemin, en fait, pour changer les choses et pour changer l'Afrique en général. Alors, je voudrais revenir rapidement sur le cas de la Turquie. Oui. Est-ce que l'absence d'une ambassade en Turquie n'a pas été un peu une insuffisance pour vous? Pas vraiment, parce que nous, on a été... reçu par le consul honoraire en fait, du Bénin en Turquie, qui a fait le boulot. Il faut appeler par chat ce qu'on appelle chat. Il a fait le travail dans la mesure de ses possibilités. En fait. Tout ça a été mis en œuvre en fait, pour que notre séjour se passe très bien, en toute sécurité. Mais ce que je peux rajouter, avec une représentation diplomatique, en fait, une ambassade qui est sur le terrain, qui comprend ce qu'on veut plus rapidement, qui sait, je pense qu'on peut faire un pas. Quand même d'un appui institutionnel. Un appui institutionnel. Comme on parle de la Chine là maintenant. Absolument. Donc avec, moi je comprends le contexte de diplomatie économique dans lequel nous sommes. Je peux le comprendre. Mais si on arrive en fait à pousser jusqu'à ce point à ouvrir en fait une ambassade et qu'on a un ambassadeur sur le terrain avec une équipe en fait qui fait le travail, ça va accélérer en fait les choses et ça va faire agrandir les opportunités. Aujourd'hui, il n'y a plus de temps à perdre, il faut aller de l'avant. Vous le pensez aussi, Madame Olama, ou du coup? Absolument. Oui. Parce que là, si nous avons vraiment l'ambassade du Bénin présent en Turquie, je vous assure, il y aura plusieurs aspects qui seront couverts qu'on ne vit pas actuellement. C'est ça. Très bien, très bien. C'est ça. Et on peut mettre, en fait, il y a des personnes qui connaissent bien le pays, la Turquie, il y a des personnes qui maîtrisent le contexte. On peut, comme je viens de le dire, on peut appeler Pacha, ce qui est Pacha, et faciliter en fait cette mise en place-là pour accélérer les choses. Dans l'élément que nous avons réalisé, nous avions parlé des retombées. Notamment dans le secteur de la santé, il y a une mission turque qui viendra au Bénin, justement, offrir des soins gratuits à nos concitoyens. Comment ça va se passer? Voilà. D'abord, est-ce qu'on peut avoir des contacts utiles Oui, oui, les contacts utiles. Je vous donnerai les contacts utiles, mais je vous parle très rapidement de l'activité. C'est notre cadeau pour les Béninois, pour la fin d'année. Depuis janvier, on n'a fait que parler business. C'est ça. Depuis janvier, on dit, venez faire payer ceci. Voilà. Tout ça, c'est fini maintenant. Pour nous, c'est important de faire retour à cette population-là qui nous a soutenus. En fait, sinon, on ne serait pas sur votre plateau aujourd'hui. C'est notre cadeau pour la fin d'année. Il y a une mission, en fait, de médecins turcs qui arrive, vous l'avez dit dans votre reportage, un chirurgien cardiovasculaire, un neurologue, un orthopédiste et puis un chirurgien esthétique, en fait. Ils arrivent pour une mission médicale du 25 au 29. On a une audience avec le ministre de la Santé. En fait, on a des ambitions grandes pour pouvoir investir dans l'hôpital en fait, au Bénin, pour pouvoir apporter de la machine, du matériel, des équipements aux médecins. On veut faire des échanges entre médecins. Renforcer le plateau technique. Renforcer le plateau technique pour soulager. En fait, vous savez, dans la communication, on veut envoyer des gens se faire se soigner en Turquie. C'est bien pour ceux qui ont les moyens. Mais on a des milliers de personnes ici qui ont besoin de soins de qualité sur place. On a des médecins aussi qui sont vaillants. Ici, qui se battent, il faut le reconnaître, mais qui, aujourd'hui, toutes les sciences... Ils n'ont pas tous les moyens aussi. Voilà, toutes les sciences évoluent. Quand tous les domaines d'activité évoluent, il faut ce brassage de manière permanente pour permettre le transfert de compétences et surtout qu'on puisse réaliser les opérations les plus basiques ici sur place. Qu'on puisse faire évacuer une personne seulement à condition que c'est un cas complexe. Alors, revenons rapidement sur l'activité. Vous avez vu, le président de la République a pensé
à cela avant nous, en mettant en place l'hôpital de référence qui est Abomey-Calavi, pour réduire en fait les évacuations sanitaires sinon les annuler. On est dans la même dynamique en fait, faire en sorte que les choses puissent avancer. Okay. Alors la mission, comme je vous l'ai dit, c'est du 25 au 29 novembre prochain, le samedi, le dimanche plutôt, 26 novembre de 9h à 13h, il y a une consultation médicale gratuite en fait aux populations à l'hôpital, à la clinique Les Merveilles à Ibaté, à Cotonou. Alors, pour revenir à ce qu'on a dit, pour les inscriptions pour les, dans les universités en Turquie, on travaille avec un partenaire, vous l'avez vu en fait, à Tbilissi. Vous pouvez la retrouver à Sainte-Rita au 97 78 14 31, c'est le numéro qu'il faut avoir, 97 78 14 31. Ils sont à Sainte-Rita, ils sont un peu partout aussi. Le choix de ce partenaire n'a pas été un hasard parce qu'ils sont partout. Ils sont à Porto-Novo, les gens peuvent aller les voir à Porto-Novo. Ils sont à l'université d'Abomey-Calavi, c'est plus proche des étudiants. Ils sont à Paracou, ils sont partout. Alors, pour les formations techniques et professionnelles, ce qui est formation en esthétique et beauté, tout ce que vous avez vu en matière de formation technique et professionnelle, vous contactez l'EPAF parce que c'est notre savoir-faire. C'est ce que nous savons faire le mieux. 69 08 84 45. Ou le 60-60-09-62, ça me plaît de répéter en fait ce numéro, le 69-08-84-45 ou le 60-60-09-62. Alors, pour tout autre besoin, on a parlé de la santé, du football et tout ça, c'est notre société Asana Group qui s'en occupe. On est situé à Cotonou, au Carrefour Marina, à Sikekodji, 58-70-29-50, 70-29-50 pour déjà la mission médicale, pour l'enregistrement gratuit. Vous appelez ce numéro, vous êtes enregistré. Pour tout autre besoin, vous êtes clinique. Rappelez encore ce numéro. Vous êtes clinique, vous avez besoin par exemple d'équipement et tout ça. On peut offrir en fait ces services-là. Vous appelez le 58-70-29-50. Okay. Je répète, le 58-70-29-50 pour l'enregistrement gratuit pour la consultation médicale du 26, le dimanche 26 novembre, de 9h à 13h à la clinique Les Merveilles. Je voudrais que ma partenaire Gotha aussi donne son adresse et son numéro de téléphone. Ouais, pourquoi pas. Pour que on puisse tout soit clair. Moi, j'aime que les choses soient claires, qu'on soit transparent, qu'on puisse retrouver chaque personne là où il se trouve et poursuivre les échanges. En fait. Allez, votre numéro et puis votre mot de fin. Nous sommes aussi à la fin de cette émission. Oh, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Donc là, le WhatsApp va être 97 48 22 20. 97 48 22 20. D'accord. Maintenant, pour l'agence, pourquoi pas, ça va être le 21 32 27 95. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ceci maintenant pour finir? Pour finir, franchement, je vais féliciter l'école EPAF. Merci beaucoup. Parce que ce que c'est en train de faire, c'est ça qui va nous aider à sortir de notre mur. Les quatre murs, là, nous voulons aller décrocher, voir comment ça se fait à l'extérieur. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Parfait. Chapeau. Merci à vous, Madame Olama Oudoukou. Je rappelle que vous êtes gérante de Gotha Voyage International. Un mot de fin, Monsieur Waliou. Non, le mot de fin, c'est merci. Merci à Canal 3 depuis ces 10 dernières années qui est resté à nos côtés. Vraiment. Depuis, c'est nous qui vous remercions aussi. Depuis ces 10 ans. Merci à vous-même, Monsieur Eric, qui êtes impliqué dans cette activité, qui poussez, même quand on est un peu fatigué, vous remettez de l'énergie pour que les choses puissent aller de l'avant. Merci au gouvernement du Bénin pour nous avoir accompagnés. Enfin, merci aux populations qui nous font confiance. C'est très important. Merci aussi à vous, Madame, Monsieur, pour nous avoir suivis ce soir. C'est la fin de ce numéro de Canal Enquête. Et bonne suite des programmes sur Canal 3 Télévision. Et à très bientôt.